On ne dirige pas un match pour le plaisir. On prend du plaisir en dirigeant le match, mais on dirige le match pour le gagner. Après, on peut penser tout ce qu'on veut de la préparation. On peut penser que si, que le Maroc si, que l'Algérie si. Non. Aujourd'hui, il y aura un constat qui sera fait. Et le résultat, comme on dit toujours, on le connaît après le match, pas avant. On a réuni 24 garçons qui se sont mis au travail dès qu'ils sont arrivés. J'ai la chance de bénéficier d'un staff technique et médical de grande qualité. Et après, alors j'espère qu'elle en sera capable. On a choisi des joueurs, on va dire, d'expérience, de métier, qui jouent régulièrement dans leur club, entourés de quelques joueurs un peu plus jeunes. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on doit montrer au football algérien que cette sélection des locaux, elle est capable d'exister. Aujourd'hui, le favori, c'est le Maroc, c'est pas l'Algérie, il faut se le dire. Même si tout le monde a envie que l'Algérie gagne. Mais souvent, quand il y a un favori et un petit, les belles histoires sont celles quand le petit arrive à battre le gros. Donc c'est un peu le système de la coupe. On va se mettre dans la peau du petit, mais on va se donner toutes les chances d'y arriver.